Donc, je vous montre aujourd'hui une autre méthode de fabrication du savon, c'est par la méthode de transfert de chaleur. La méthode de transfert de chaleur, c'est qu'on va utiliser nos huiles et nos beurres végétaux à la température pièce et on va préparer notre solution de soude. Aussitôt que l'hydroxyde de sodium elle est bien dissous dans l'eau, on peut ajouter immédiatement notre solution à nos huiles et nos beurres. Donc, c'est la méthode que je vais vous montrer. Donc, vu la solution de soude est vraiment chaude, elle va aller faire fondre vos beurres que vous allez avoir ajoutés à ce moment-là. Dans la prochaine vidéo que je vous montre, j'utilise de l'huile d'olive et de l'huile de noix de coco. Alors, vous voyez, mon huile de noix de coco est à température pièce, mais c'est quand même un beurre qui est mou. Ici, je vous montre le colorant mica doré. C'est un mélange de dioxyde de titane, d'oxyde de fer et de mica. Le bleu ultramarin. Le dioxyde de titane. Et la dernière couleur, c'est un mélange de dioxyde de titane et de bleu ultramarin. Donc, vu que l'huile de noix de coco, c'est un beurre mou, je procède immédiatement avec le pied mélangeur. Si j'avais utilisé du beurre de cacao, qui est un beurre très dur, même à température ambiante, à ce moment-là, j'aurais mélangé avec la spatule jusqu'à ce que mon beurre de cacao soit liquéfié. Et ensuite, j'aurais utilisé le pied mélangeur. Mais ici, c'est pas nécessaire parce que l'huile de noix de coco va très bien s'amalgamer avec l'huile d'olive et la solution de soude. Donc, en ce moment, dans cette démonstration-là, je veux obtenir une trace de savon de la pâte légère pour pouvoir effectuer le design avec les colorants. Les colorants, on les dilue toujours auparavant avec de l'huile végétale. Si vous voulez obtenir un savon blanc de façon naturelle, utilisez des huiles végétales qui sont claires. J'utilise un contenant de chips Pringle que j'ai coupé de moitié environ pour la vidéo, spécialement pour vous montrer ma façon de faire par la suite. Le but ici, c'est de verser en partie égale en même temps. Mais vous allez voir, je ne suis pas une personne très habile de ce côté-là, mais c'est pas grave, le résultat va être très bien à la fin tout de même. Donc, d'un côté, il faut alterner les couleurs. Et de l'autre côté, on utilise toujours la même couleur. Alors, on essaie d'obtenir vraiment un moitié-moitié. Parce que là, ici, on n'a pas de séparateur, donc on y va comme ça. Vous voyez, j'utilise rien qu'une main à un moment donné, parce que pour moi, c'est... Y aller à deux mains, je pense que je ferais beaucoup de dégâts.
J'ai pas tout à fait obtenu le moitié-moitié, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'enfoncer la baguette jusqu'au fond pour effectuer le dessin qu'on voudrait faire. Mais c'est toujours une surprise lorsqu'on coupe le savon de savoir le résultat. Donc, après son temps d'incubation, je l'ai placé au congélateur pour qu'il soit plus facile à démouler. Il suffit tout simplement de déchirer le carton. Là, vous voyez, j'ai pas suffisamment cogné le moule lorsque ma pâte était fraîchement coulée, donc il y a eu des poches d'air. On le voit par l'extérieur du savon, mais c'est pas grave. Fait que prenez soin de cogner vraiment votre moule contre le comptoir pour y faire sortir l'air de la pâte de savon. Donc, une fois que le savon va être taillé en morceaux, vous pouvez le laisser sécher environ de 3 à 4 semaines avant de l'utiliser pour qu'il ait eu vraiment le temps de durcir et l'eau de s'évaporer au maximum. Alors, c'est la méthode de transfert de chaleur. Je vous ferai une prochaine vidéo où ce qu'on va utiliser à ce moment-là, la même méthode, mais avec des beurres qui sont durs.